Monsieur Plamondon, appuyé par Monsieur Perron, demande la permission de déposer un projet de loi intitulé « Loi modifiant la loi sur le ministère des Affaires étrangères, du commerce et du développement, gestion de l'offre ». Cette motion est réputée adoptée. L'honorable député de Bégancourt, Nicolet Sorel. Oui, Monsieur le Président, le but de ce projet de loi est de protéger la gestion de l'offre, la rendre intouchable dans les futures négociations internationales. On se rappellera que dans les dernières négociations, que ce soit le traité de libre-échange avec l'Europe, Transpacifique ou avec les États-Unis, des brèches importantes ont été faites dans la gestion de l'offre, ce qui a eu comme effet de faire en sorte que les revenus des producteurs ont baissé d'environ 8 %. Ce projet de loi-là fera en sorte qu'on modifiera l'article 10 de la loi sur le ministère des Affaires étrangères, du commerce et du développement. Ce sera modifié par adjonction de façon à rendre intouchable la gestion de l'offre. J'espère que l'ensemble des députés se voteront en faveur de ce projet de loi tant attendu par les producteurs. Bravo. Bravo. Monsieur Plamondon, appuyé par M. Perron, propose que ce projet de loi soit maintenant lu une première fois et imprimé. Cette motion est réputée adoptée. Première lecture de ce projet de loi, first reading of this bill. Quand ce projet de loi sera-t-il lu une deuxième fois? À la prochaine séance.